rose verger, plus une axe 2000 pour un TWN sur la finition du stainless. Nous allons travailler d'abord avec le drum Cool Cut grain 60 pour une finition F4. Donc, on se revoit au travail. Bonjour, je suis présentement accompagné de Éric Saint-Martin, propriétaire de la compagnie Isinox 2000 à Beauceville. Donc, Éric, veux-tu nous parler un peu de ta compagnie? Oui, moi, ça fait 7 ans que je suis maintenant ouvert. Et puis, mon métier premier, c'était l'usinage général et numérique. Et ça fait 3 ans que je me suis parti en transformation de métal en feuille. OK. La feuille d'acier, d'aluminium et de stainless. OK. Le Cool Cut en drum, le grain 60, c'est celui qui s'approche le plus du numéro 4 industriel pour le stainless. OK. Donc, ça nous permet d'enlever des petites graphines causées par un frottement. Okay. Ou d'être capable d'amener un fini plus égal avec des stainless qui ne sont pas poli numéro 4. OK. Donc, pour les équipements sanitaires d'abattoir ou de laiterie, on est capable d'avoir une finition excellente depuis qui passe au nom. Parfait. Et Éric, est-ce que tu pourrais conseiller ça à des gens qui travaillent dans le stainless, avoir un drum comme ça? Ben oui, c'est sûr et certain, parce que c'est déjà filtré 5011. OK. Oui, ça se monte très très vite. Ouais. Et puis le papier semblé est de très bonne qualité. OK. Et puis dure excessivement longtemps. Et puis on peut virer à des vitesses plus hautes que la concurrence. OK, ouais. Parfait. Fait qu'on voit ce que ça peut donner un peu. Oui, c'est certain. Pour un foyer d'extérieur comme ça, en acier inoxydable, le rapport qualité-prix, la qualité, il faut qu'il soit. Ben, je te remercie, Eric. Pas de problème. C'était Bruno Bellard pour Water TWN.